Et salut tout le monde, c'est Mister Vinaik et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE 2K15. Alors, ça sera une petite vidéo détente, mais à chaque vidéo détente, je vais annoncer une nouvelle de ce qui s'est passé dernièrement. Et ce qui s'est passé dernièrement, ben, c'est le retour de Sheamus, que je vois là, hop, que je suis en train de contrôler. Alors en fait, il est revenu à Raw, Sheamus Raw du lundi là, qui s'est passé lundi. Aujourd'hui on est mercredi 1er avril. Et bah, Sheamus est revenu à Raw. Et en fait, il est revenu avec, vous voyez, comme ça, là, comme il est moi là, enfin, différent bien sûr, parce qu'il a toujours été tenu. Mais sa coupe a complètement changé. Mais en fait, vous voyez, c'est ce qu'il a ce coupe maintenant, mais il a plus ça. En fait, il s'est rasé, en fait, tout sur les côtés, c'est rasé, rasé, chauve, chauve, chauve. Et en fait, en dessous, il a une putain de crête, en fait. Vous voyez, la crête, comme les coques, là, ben, elle fait devant, derrière, et c'est tout chauve, mais bon, ça y va super bien. Et en fait, à sa barbe, il a accroché des petits trucs, vous voyez, de rasta, là, un peu, des trucs accrochés. Ça fait un peu rigolo, enfin, voilà, c'est écossais, irlandais, je sais plus trop comment c'est, ce machin. Et du coup, Sheamus est revenu dans cette façon. N'hésitez pas à aller voir Raw de ce qui s'est passé lundi pour voir le retour de Sheamus. Et en fait, il est arrivé, tout le monde pensait qu'en fait il allait venir pour. Parce que Barrett a cassé tout le monde pour venir aider Dolph Ziggler. Et bien, en fait, il est arrivé, il a chassé Barrett du ring et après il a défoncé Daniel Bryan et Dolph Ziggler, même si Dolph Ziggler en a pas plus que Bryan. Et voilà, en fait, il est arrivé, il a agressé, donc il revient, Sheamus revient à Hill. Mais là, quand on a annoncé son retour, on savait déjà qu'il allait venir Hill. Voilà, bon, c'était la petite news. Et si vous avez du mal à trouver, dites-moi-le dans les commentaires, je vous envoie les liens. Je vous le dis, les liens de ce machin. Irish Curse, spoken by Sheamus. Irish Curse. On va essayer de faire un petit truc un peu stylé. Si j'y arrive, je sais qu'on n'est pas obligé, mais je vais voir ce qu'on peut faire. Si j'y arrive, parce que en fait, je suis pas tellement fort à ça. Oh, vas-y, saute, saute, saute. Ok. Bon, en fait, je voulais prendre en contre. Enfin, voilà, un finisher. Bon, il kick. Mais je suis pas arrivé, les mecs. J'y suis pas. Non, mais vous avez cru quoi, les mecs? Vous avez cru que j'allais vraiment y mettre un break-kick? Tant qu'on a pas pété la tête des commentateurs, moi je suis pas d'accord. Allez, viens, mon petit. Alors, du coup, bah, Sheamus est revenu à Raw. Si vous avez du mal à le visionner, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'ai perdu mon finisher. Oh, je fais ça pour avoir mon coup spécial. Et Irish Curse porté par Sheamus. Et on va directement l'envoyer à l'extérieur du ring. Pour en faire quoi? Pardon, j'ai pas bien entendu. Une prise dévastateur sur la table des commentateurs. Et on va y aller, les mecs. Oh, on y va. Oh my god, moment. Et white noise, white noise, white noise, white. Nice! Sur la table de commentateur américain Joaquin Lawrence. On va quand même le remettre dans la ligne, les mecs. On va pas en finir là-dessus. Je crois qu'on est déjà à 6. Oula. Ouais, coup de boule. Sergeant Brawler. Ah, on enlève le point. Chut, chut. Il nous a pas vu. Oula. Hop, je vais contrer. Alors, je pense que le titre, si je peux, je mets détente sur 2K15, 2 points, Sheamus is back. Et en fait, à chaque petite vidéo détente où je suis tout seul, je vais raconter ce qui s'est passé dernièrement. Ça sera à peu près chaque semaine ou comme ça, vous voyez, mec. Et on va y aller. En fait, à chaque fois que des gens prennent Sheamus, ils exécutent que le break kick. Mais nous, on va pas faire ça. Non, on va faire ça.
Voilà. Je crois que cette prise s'appelle le Celtic Cross, si je ne me trompe pas. Ouah! Je sais même si je l'utilise plus, mais bon. On peut l'exécuter, on n'est qu'à 5 minutes, évidemment, on va pas s'arrêter jamais, mec. Faut pas. Bon, qu'est-ce que je peux faire? J'avais mis le titre, je sais même s'il n'était plus. Je vais faire un match à school avec les anciens personnages. Peut-être que je ferai pas chez Monsieur Sbag. En tout cas, ce sera une détente tout seul. Franchement, hier, ça m'a j'avais pas envie de faire de vidéo en fait. Je me suis dit, quoi que je vais faire les résultats d'Insomnia, mais j'avais pas envie de faire les résultats d'Insomnia en fait. Et je le sais quand même fait parce que. Voilà, c'est pour vous faire plaisir. Allez, on va faire un Elimination Chamber, les mecs. Je vais prendre au pif. Attendez, des superstars vieilles. Allez, Kevin Nash, en plus, c'est bien ce que vous voulez. Je vais mettre aléatoire, je vais mettre tous aléatoires. Ça tombe sur une ancienne superstar. Ultimate Warrior. Randy Orton, non. Vous voyez, une superstar qu'on a à faire dans mon histoire, old school si vous préférez. Par exemple, si on tombe sur voilà, qui est dans 0-2. Ah, les dépêches. Ah, les dépêches. Parfait, Y2J, ça fera, c'est pas trop de la même époque, mais c'est pas grave, c'est quand même une partie des légendes. Je vous rappelle que les superstars sont choisis au pif, ça veut dire c'est pas moi qui ai voulu prendre Kevin Nash, même si j'aime bien Kevin Nash, je crois que depuis le début, si je les ai utilisés. C'est un Punk 11-12. On va se mettre un troisième fer. Oh là, oh là, oh là, c'est bon. Je pense que vous connaissez Omega, si vous connaissez pas, ben, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, je vais voir. En tout cas, je pense que je rentre en dernier parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une Elimination Chamber, je rentre en dernier. Ça, c'est un peu chiant des fois parce qu'en fait, c'est toujours que je rentre en dernier. J'espère que je ne vais pas rentrer en dernier. On a 7 minutes de vidéo, mais je m'en fous. Encore. Kane qui commente en CM Punk, une droite, une droite, une droite. Bon, après, il s'est passé en gros. Ouais, il y a eu une revanche entre Seth Rollins et Brock Lesnar pour le titre WWE World Heavyweight. Sauf que Seth Rollins s'est barré comme un lâche, alors le match a été annulé. Il y a eu une revanche pour le titre Intercontinental. Je crois qu'il y a eu Cena contre Ambrose, victoire de Cena. N'hésitez pas à aller voir Raw, les mecs. On va aller le voir. Bon. Très bon show. Mon prochain rendez-vous c'est extrêmement. J'espère que vous êtes prêts, les mecs. Il n'y a toujours pas de match annoncé sur Wikipédia. La page n'est pas ouverte. Je précise que je n'arriverai qu'en avant-dernier. Je connais les places de l'Elimination Chamber, les mecs. Il y a les deux participants qu'on débloque. Ouais, non. On les voit tous les deux dans l'Elimination Chamber. Le premier, je crois, c'est Jericho 02 et King 02. Moi j'aime bien Kevin Nash, du Hall of Famer cette année. N'hésitez pas à aller voir les résultats de WrestleMania, et c'était hier. C'était hier que j'ai fait la vidéo. Du coup, ce qu'il y avait en dernier, c'est à la cave de droite, je me souviens plus qui c'est. Ouf, une droite, une gauche, plutôt, une gauche. J'espère que tout ça vous plaît, on est déjà à 9 vues alors que la vidéo n'en est pas fait un jour. Trop content. Sur des vidéos Clash of Clans, j'aurai bientôt mon HDBVR, les mecs. Oh là là, c'est génial. Salut. D'accord. Allez, c'est Warrior qui arrive. Ben, c'est Randy Orton qui arrivera en dernier. Vous voyez, puisque Warrior il était là. Après, c'est à moi. Double Chokeslam! Quelle prise incroyable! Quelle prise incroyable! Alors, aujourd'hui, on est mercredi. Samedi, je vais chez ma mamie, en fait. Passer le week-end, il y a mon cousin. Alors, des vidéos, les mecs. Il y a une Xbox, alors on va pouvoir faire des jeux. Par contre, Kane était en train de jouer, vous voyez, il a fait Go to sleep! Et il vole le finisher à point. Ça va être bien rigolo, je le vois. En fait, je crois que c'est en appuyant sur RB et en même temps la flèche du haut pour faire relever le personnage. On avait à faire le Chokeslam. Là, il va bientôt perdre son finisher, s'il le place. What? World of Jericho!
Ouais, il voit son finisher. World of Jericho. World of Jericho sur son propre. On va prendre ça qu'il abandonne. Bon, les mecs, c'est à moi. Moi, je suis Kigaminash. Pour l'instant, il n'y a aucun éliminé. It's Kevin Nash, oh yeah! Qui a fait son retour à WrestleMania 31. Il y a une petite baston. Enfin, il n'a pas fait son retour, mais parce qu'on l'avait déjà vu, mais. Voilà, son retour en frappant quelqu'un. Je suis un peu concentré, désolé si je parle pas trop. Du coup, ben là, Jericho est en train de faire le show. Vas-y, tu mets Kane. Voilà, on fait une petite prise à deux. Double choke slam. Boom. Encore une fois, allez, cette fois c'est tombé. Oui, moi je suis Kevin Nash, bébé. Oula, par contre, Punk, depuis tout à l'heure, Warrior fait la même prise à Punk. Oui, il lui fait. Je suis de célébration, mais je laisse se battre. On a un coup spécial, et de l'autre côté, c'est pas un autre coup spécial, mais. Je sais pas, non, attendez, je sais plus comment on fait déjà. Bon, c'est pas grave. Non, il a un finisher, c'est bon, je rigolais. Ouh, j'ai cru que vous m'avez passé. Ouais, là, il passe son sideward slam. Ravène-toi, Warrior. Je rigole pas avec toi, fils de pute. Non, je déconne. C'est bon, je m'enflamme pas. Quoi, on est 40 minutes de vidéo? Oui, moi je suis trop fort en contre le mec. Pour l'instant, j'ai pas encore le live parce que en fait, je l'avais. J'avais le live, mais j'avais pas le gold. Je l'avais pris, mais après, je l'avais plus. Voilà. On est mis le plus dangereux, le mec. Boum! Jackknife, powerbomb. Si j'avais pas vu Jericho, en fait, j'ai mis un coup spécial sur la droite. Quoi, il se relève? Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu me t'en prends qu'à moi. Voilà, alors en fait, on peut monter là. En fait, c'est comme si on montait la ligne à selle. Après, on peut sauter en appuyant sur carré, carré et X. Après, tu peux monter en haut de la cage. T'as une autre façon de monter de la cage, c'est en fait, tu te mets sur le coin. Et ensuite, t'appuies sur un bouton. Regardez, hop, là par exemple, tu vois, tu peux sauter. Et après, tu peux te monter sur la cage et appuyer sur X juste en étant sur la cage. C'est pareil, sauf que. Je vous montre un peu les trucs. T'as l'Elimination Chamber. Toi, tu crois que j'allais te laisser tranquille? Et Kevin Nash avec sa grande jambe qui le crache l'Ultimate Warrior. Mais je vais t'éclater. Qu'est-ce que tu fais, Kane? Je t'ai pris pour un showman, là, mon gars. Oh, t'es au business. Mais pas le show, qu'est-ce que tu veux m'emmerder, oh. Regarde, on peut faire ça aussi, mec. Ah non, dommage. Oh non, j'espère qu'il va pas me passer son Warrior Splash là où je suis pas cool là. Et coup de ses épaules. What a move. Merde. Là c'est un peu. Une erreur bête. En fait, c'est compliqué de parler en même temps. De. Vous voyez. Oh bah tiens. Vas-y, Kane. Prise à deux. Double choke slam. Non, cette fois c'est pas le double choke slam. Et qu'est-ce que t'as fait, Y2J? Oh, attends, je viens d'aider. Vas-y. Pouah! Attends, moi, je... C'est ça, une droite. C'est ça, une vraie droite. Voilà! Vas-y, mineur, toi, tu t'en fais. Par contre, il y en a qui me saoule, là, c'est Kane, en fait. Ça fait trop longtemps que t'es là. Vas-y, élimine le Warrior. Viens là toi. Ah bah voilà, je suis monté. Je vais attendre Kane qui se rapproche. Non. Non. Oui, voilà. Parce que j'ai eu peur qu'elle me fasse une porte en finish. Allez, j'ai mis lui. Il est pas éliminé. Je me cache. Ouh, Kane. Oh, Kane, il vient de taper un grand coup là. Moi, je fais des célébrations comme ça, j'ai des coups spéciaux. En fait, je vais lui faire montrer le Oh My God à travers.
pour vous les abonnés. T'aurais pas dû. T'aurais pas dû. J'ai le géant. Oh, dans cette cage de malade. Je suis réussi à enregistrement planté. Non, il n'a pas planté. Tant mieux. Regardez. Regardez-moi ça. Vous l'avez jamais vu. Et vous allez le voir. Kevin. Oh, quel foirage de Kevin Nash. Et le petit. Oh, le Big Red Monster, ça y a fait très mal, ok. Oh. Oh. Et merde, j'aurais pu contre en fait. Et je te défonce, désolé si vous entendez les bruits des touches, c'est peut-être horrible pour vous. Mais désolé. Oh, il a eu du mal, Kevin. Pour porter Big Daddy Cool, j'ai peur qu'il laisse un coup de pistolet à un moment en fait. C'est possible, c'est possible. Mais normalement, c'est moi qui devais l'avoir avec toi. Ouh là là, il m'a brisé le rein. Les reins, le dos, tout ce que vous voulez. Il m'a coupé en deux. Et boum. Boum. Voilà, c'est ça une vraie droite. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Non, j'aurais peut-être pas dû faire sa merde. Non, Kane, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux, tu vas me faire perdre. Mon finisher. Merde. Pourquoi j'ai fait cette bêtise? Ah, il faut que j'y passe vite le jackknife. Tu as pris pour qui là? Merde. J'ai perdu mon spécial. On va essayer de l'affaiblir avec cette prise. Ah, il faut pas que je... Sinon ça va faire. Ça va me faire perdre des points mec. Vous voyez. Je peux faire. What? Oula, par contre, j'ai pris un deal ici. Oh putain, là, il va avoir son coup spécial bientôt. Ouais, moi je te ressortirai quand j'aurai mon finish. Au mieux qu'on reste là-dedans. Je sais quoi te faire. Je vais te mettre deux patates. Ice. Et une troisième avec un petit follow slam ou je sais pas ce que tu vas me faire, Kevin Nash. Et follow slam. I am Kevin Nash, the best in the world. Non, je suis pas le CM. Mais je suis Kevin Nash. Alors, on dit quoi le Big Red Monster, hein? On va encore prendre une droite? Normalement, je peux faire le Oh My God ici. Non, non, non! Bon, c'est pas ça que je voulais faire, désolé. Les mecs, mais on va pas recommencer, on va en finir là-dessus. Oh! Et 1, 2, 3. Monster Elimination Chamber, est-ce que je refais un match? Est-ce que je refais un match, les mecs? Il y a 18 minutes 30. Oui, je vais vous en refaire un. On est qu'à 18 minutes, je vais largement le temps. Je vais vous refaire un match, cette fois-là avec des superstars modernes. Ah, attendez, il y a quoi d'autre sinon? Inferno. Je vais faire un Inferno match. Ça, je sais bien faire, en plus, je me débrouille bien. Ah bah putain. Oh mais dès qu'on veut des superstars modernes, on peut pas me tirer les mecs. Avec ce gars 30 crayons à back. Je peux même plus parler. Désolé, on va pas mettre les vieilles arènes parce qu'après on va mal, en plus on voit tout fou les mecs. Alors je vous fais avec des superstars en team si vous voulez. Ça va être un friend non match. Get your for one. Oh et le plongeon du deadman. Je vous l'ai jamais fait celui-là. Hein. Peut-être que je vous l'ai déjà fait en vidéo. Je sais pas. Je vais me rapprocher un peu de l'écran parce que. Attends, vous m'attendez hein. Pas trop bien. Right back, et là le feu, ils vont tous avoir peur, Mario. What, c'est quoi ce vieux horrible? Voilà, on peine la vue normale. En fait, regardez, en fait, plus on fait des prises, vous allez voir le sol, il tape à des moments. Et vous voyez, si vous envoyez votre. Voilà, vous voyez, il y a du truc et tout, et
En fait, vous l'envoyez dans le coin, je crois que c'est là. Attends. Est-ce qu'on peut monter sur la troisième corde? Ah ouais. En fait, vous approchez trop du feu, je crois. Ben, en fait, votre personnage, il est contraint, en fait. Boum! Swagger bomb, bah alors, tu dis quoi, Swagger? Regardez, hop, normalement, il va faire un... il fait pas de réaction bizarre. Mais c'est pas grave. Waouh! Et oui, Ryback, il est complètement fou. Il va se déchirer. Neuuuuh! Quel Natemi! Il pète la tête à un Swagger! J'aime bien Swagger, hein. Je suis pas contre Swagger. Et. Ouh! Je vais peut-être pas l'appeler la vidéo Shameless is back parce que, en fait, je suis une vidéo où il n'y a pas que Shameless, alors je préfère pas l'appeler comme ça. Ouh! Alors! Voilà, j'ai troulé! Ah non, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que. Autant ça le. Ouais, mais je vais pas essayer de l'éliminer, les mecs. Je préfère pas l'éliminer. J'ai rien fait encore et je vais déjà l'éliminer. Ça sert à rien. Je t'écrase ta tête de schnook. Boum. Ah oui. Marie-Antoinette Style. L'Ariata. Boum. L'Ariata. Feed me more. Ryback, il va y aller. Shell shock. Shell shock. Bon, avec moi, c'est très rapide. Je sais pas si ça vous fait aussi vous, mais moi, je vais faire non. Il va pas très longtemps, les chemins. Oh my god. Allez, je te roule dans le feu. Comme ça, on n'en parle plus. Boum, allez, roulez-boulez dans le feu. Et dans un ancien jeu, en fait, l'arbitre est arrivé avec l'inspecteur et tchit. Je sais pas si ça le fait toujours, là, ça a pas l'air. Je sais pas si Drake est encore enflammé quand ils font la célébration. Feed me more. Je sais, j'ai déjà longtemps. Il y a encore le feu. Si vous voulez voir un Inferno match récemment, je crois le dernier Inferno match, c'était Bobo et contre Kane, à SummerSlam 2013. Hey! Oh, Swagger! Oh, Swagger! Un jour, Kane avait brûlé sa main, maintenant. Il avait mis sa main, si vous voulez, je vous propose une vidéo, votez en commentaire, si vous voulez, que je vous fasse en fait passer les cinématiques de Touquet Showcase, vous voyez, comme je vous ai fait hier. Que je vous fasse montrer toutes les cinématiques qu'on va avoir dans le showcase, comme j'ai fini, je vous propose de passer toutes les cinématiques de voir ce que t'as, les cinématiques que tu as jouées ou les cinématiques de jeu normal. Allez, ciao tout le monde, c'était la dernière vidéo de la journée. Aujourd'hui, il y en aura deux. Il y aura celle du top 4 que je vous présenterai et cette petite détente. Allez, ciao tout le monde, c'était Mr. Vinaigre.